C'est en s'implantant au Togo en 2013, après sa création en Côte d'Ivoire en 1990, que Rolis a pris une autre dimension dans son rayonnement sur le secteur de l'industrie cosmétique africaine. Pour y parvenir, Rolis a su déployer les gros moyens en construisant sur une superficie de 40 000 m2, dont 26 000 exploités. Une usine dans la zone franche de Lomé selon les standards internationaux. Et pour cause, Rolis avait à cœur de maîtriser toute la chaîne de production, seul gage d'un respect des normes de qualité en matière de production de produits cosmétiques, notamment dans le domaine phytosanitaire. C'est ainsi que des investissements conséquents à hauteur de 7 milliards de francs CFA ont été faits par l'acquisition d'un parc machine de dernière génération allant de la machine 1000 tonnes pour la fabrication de chaises au stabilisateur pour réguler la tension en passant par le métaire pour augmenter la capacité de production, des groupes électrogènes pour assurer une autonomie énergétique à l'appareil de manutention pour gagner du temps au chargement ainsi qu'un système de vidéosurveillance d'au moins 32 caméras. Mais plus décisivement, Rolis Togo a surtout mis l'accent sur toute une série de laboratoires. Un laboratoire technique pour tester la qualité des pièces de rechange en provenance d'Europe, notamment d'Italie et de la France. Un laboratoire d'analyse regroupant toute une panoplie de machines, à savoir une centrifugeuse, dont le rôle est d'évaluer si le produit est stable. Une étuve pour tester le vieillissement des produits. Un pH-mètre pour mesurer le taux d'acidité des produits. Un viscomètre pour mesurer si le produit est solide et liquide. Et un appareil de point fusion pour vérifier la conformité des matières premières utilisées dans le processus de production. Un laboratoire de recherche-développement destiné à l'analyse des nouveaux produits à concevoir. Cette machine-là va nous dire exactement à quel degré nos deux matières vont fusionner. Et ça nous permet de contrôler toutes les matières premières qui arrivent d'Europe. La centrifugeuse, elle permet à notre laborantin, quand il reçoit un produit, de le mettre là-dedans. Quand il le met là-dedans, il y a plusieurs tubes à essai qu'il met ici, qui va faire tourner à 4000 tours par minute, pendant 10 minutes. Si cette crème-là se sépare, c'est que la crème n'est pas bonne, c'est que ce produit n'est pas bon. Donc, on le retravaille, on le met de côté. Il n'est pas utilisé. C'est-à-dire, directement, on est capable de savoir si notre produit va durer dans le temps sur le marché. On atteste la chaîne de production minutieusement organisée selon la chaîne de production labellisée. Tous nos produits sont faits ici. Et sont acheminés à la phase de stockage. La phase de stockage, c'est quelque chose de très important. Déjà, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune contamination qui doit être possible. C'est pourquoi nous avons des tuyaux qui relient la phase de préparation à la phase de stockage. Le tuyau, c'est ce qui se trouve ici, qui monte et qui passe sur la phase de stockage. D'accord? Pour qu'il n'y ait aucune contamination manuelle due au toucher, due à quelque chose, à la sueur, à la transpiration, aux bactéries. Tout est fermé hermétiquement. Il faut le savoir. Ça passe dans nos remplisseuses. Des remplisseuses automatiques. Donc, ces remplisseuses-là remplissent par demi-douzaine, par 6-6, pour aller vraiment très vite. C'est-à-dire, on peut arriver à produire à peu près 80 à 90 pots par minute. Ce qui est énorme. Ensuite, nous avons une phase de capsulage. Cette phase de capsulage est manuelle. C'est des gens qui sont là et qui ferment. Ensuite, nous avons une phase d'étiquetage et de clivage. Cette phase est automatique, complètement automatisée. C'est une machine qui jette des sleeves sur nos peaux. Et ensuite, elle est rétractée. Et après la rétractation, nous avons une phase d'emballage. Ça, c'est une machine qui met par pack de 6 pour les encartonner. Après tout, il fallait bien que Rolis fasse honneur à sa bonne réputation d'entreprise la plus regardante sur la qualité qu'exprime sa large gamme de produits cosmétiques les plus prisés sur le marché. Je profite de cette opportunité pour vous dire que nous sommes très fiers de faire partie des entreprises les plus dynamiques du Togo. Nous remercions tout d'abord notre personnel qui a toujours été à la hauteur. Nous remercions également l'État togolais qui met tout en œuvre pour nous permettre de nous développer dans les meilleures conditions possibles. Et finalement, nous remercions notre clientèle qui, sans elle, rien ne serait possible. En effet, chez Rolis, assurer le bien-être de la population, c'est plus une vocation.